Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin, tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouilles aussi grosses. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah, quelle journée. Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah, d'où tu sors? Oh! Mais... C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, Georges se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Rapproche ta main du côté le plus lourd. Georges,
Si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ces prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Oh. À plus tard, travaille bien. Ah, tchoum. Oh, les chats. Georges était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasquetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'en meurs d'envie. Ne vous inquiétez de rien, détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité, c'est trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. Georges comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, recule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre Georges ou le chef Pasquetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer! J'arrive plus à me retenir! Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi! Allez, tipez les fers! Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois gentil, retourne avec Giorgio. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que Georges déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier! Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi! Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements... Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasquetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. C'est merveilleux, merci. Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors il faisait vraiment du cirque? Heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiétée. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Georges est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules. Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des ancres?
Moins vite, moins vite. Je fais ce que je peux, mais je ne tiens pas ce que ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris ? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Une fois. Bah, eh bien, bonne chance. J'ai la situation en main. Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh non, il a changé de direction, il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hey! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper! Génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud. Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. George, tu nous as sauvé la vie. Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible. Cette fois, je vous tiens. Youpi! J'étais un peu inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges, tu as pris des photos pour moi. Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi, qui a pu les prendre, hein? Oh! Il se précipita vers l'homme au chapeau jaune pour lui montrer le putois, quand soudain, il s'aperçut qu'il avait oublié quelque chose. Quoi? Que se passe-t-il? Quelqu'un
l'a oublié dans l'ascenseur. Oh. Georges, c'est nous qui l'avons ramené ici, dans le panier. Il faut réussir à le capturer sans l'effrayer, sinon... Vous me suivez? Oh. Bon, il ne manquerait plus que ça. Séparons-nous, il faut le rattraper. Le butoir était perdu dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. Et en plus, il avait faim. C'est dans la boîte. Hein? Qu'est-ce qu'il lui prend? Reviens, t'as pas le droit! Attendez! L'utilisation de l'ascenseur s'effectuera momentanément par groupe de manière à limiter les risques d'effrayer le putois. Le putois? Chut! Vous allez l'effrayer! C'est vrai! Pardon! Quand ce putois aura fini de manger, il n'aura pas d'autre choix que de retourner dans le panier. À vue de nez, je dirais qu'il n'y a pas de putois ici. La voie est libre. Parfait. On peut descendre. Attendez-moi. Oh. Monsieur Barbouille, surtout ne lui faites pas peur. Voici Jeffrey. C'est un putois domestique. Il est inodore. Alors, c'est sûrement le putois qu'a vu Georges. Il va faire une de ses têtes quand il apprendra qu'on s'est inquiété pour rien. Le plan de Georges fonctionnait à merveille. Grâce à son ingéniosité, le putois allait bientôt être capturé. Georges, ce n'est pas un putois sauvage que tu as vu. Oublie ce que je viens de dire. Que personne ne bouge. À première vue, il n'a pas l'air apeuré. Tant qu'il ne se sent pas en danger, il n'y a absolument rien à craindre. Ainsi se termine notre balade au pays du jazz. Et maintenant, place à la musique symphonique. Oh non. En ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui! Prends-la si tu veux, tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre. Mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça passe son temps à creuser, un lapin.
Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici, approchez, c'est ça, venez goûter le délicieux raisin. Oh non. Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, ben ça marche. Plutôt bien d'ailleurs. Oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites pas. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais, jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. George avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle et un système pour se débarrasser de la terre. Mais allait-il avoir assez de temps? Montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express! Vous cachez dans votre trou. Sortir de là. Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah, alors c'est vous qui allez partir par les rongeurs. Oh, si je m'attendais à ça. Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin. On va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. Hein? C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé
Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolée, petit singe. Oh, bon séjour. Au revoir. Bye. Oh. En escaladant la colline pour la deuxième fois, George se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment George allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il l'envoyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, George. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale. Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? George était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Ah!
son plan avait fonctionné à merveille. Georges avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qu'il lui arrive, pensa Georges. Il n'aime pas le jeu de quilles. Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. Et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et Georges prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! Georges était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Oh, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. Georges était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, Georges, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme Georges ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors. Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur? Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard?
C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. Boum! Georges classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser. Quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard, Georges, Roxy. Je t'ai eu. Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Je vous présente ma sœur, Dorothée. Il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Georges se demandait où il était. Ce qu'il touchait ne lui disait rien. À quoi ça pouvait servir? C'est quoi ce bruit? On dirait la lance à incendie. La lance à incendie? Georges, c'est toi qui as touché aux manettes. Mais où était passé Charlie? Ça, c'était trop dur pour être de la fourrure et il ne l'entendait plus. Ah, en revanche, ça sentait le poil de chien mouillé. Il ne devait pas être loin. On se passerait bien de ce genre de visiteurs. Charlie jouait encore à cache-cache, mais Georges pouvait se fier à son flair pour le retrouver. Une boule de poils. Ça ne pouvait être que Charlie. Pourtant, ça ne sentait pas le chien mouillé. Et c'était trop petit pour être son compagnon de jeu. Ce chien était un chat.
un chat plus une bonne odeur de cuisine. Pas de doute, Georges était dans le restaurant du chef Pasghetti. Charlie ne pouvait pas passer à côté d'une adresse où l'on mange aussi bien. Oh non! Regarde ce que tu as fait! Mes pattes sont fichues! Vous savez, d'habitude, quand j'entends un bruit suivi d'un cri, je me dis que c'est la faute de Georges. Mais j'ai tort puisqu'il est à l'anniversaire de Betty. Vous n'auriez pas vu un singe aux yeux bandés courir après un chien surexcité? Comment se fait-il que je n'arrive pas à les retrouver alors que tout le monde les a vus? Ici, c'était moins bruyant. Et il y avait de la pelouse. Même les yeux bandés, il savait qu'il était dans un parc. Et ça sentait à nouveau le poil de chien mouillé. À l'odeur, au toucher, l'animal pouvait faire penser à Charlie. Quand il l'entendit aboyer, il fut certain que c'était lui. Georges et Charlie ont disparu. Je les ai pourtant cherchés dans toute la ville. Tu as pensé à regarder ici? Attention, cette fois, tu n'as droit qu'à une tentative, d'accord? Cette fois, Georges n'utilisa pas que la batte. Il se servit de son ouïe. De son toucher. Et de son odorat. Quand je pense que c'est moi qui lui ai tout appris. Pour trouver la piñata, Georges s'était servi de trois sens: l'ouïe, le toucher et l'odorat. Et pour profiter des friandises, il fit appel au goût. Il fallait qu'il peigne deux taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces deux projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four? Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, Georges se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. C'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Ah
quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr. Grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, Georges. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des encres? Ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Non! Encore une fois. Bah, eh bien, bonne chance. J'ai la situation en main. Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh,
Oh non, il a changé de direction, il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Hé! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper! Génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud! Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. Georges, tu nous as sauvé la vie. Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible. Cette fois, je vous tiens. Youpi. J'étais un peu inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges? Tu as pris des photos pour moi? Ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi. Qui a pu les prendre, hein? Oh! Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute, tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolée, petit singe. Oh, bon séjour. Au revoir. Bye. Oh. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Ah,
Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il l'envoyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Oh, en ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui, prends-la si tu veux, tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre, mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça passe son temps à creuser, un lapin. Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici. Approchez, c'est ça. Venez goûter le délicieux raisin. Oh non. Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, ça marche plutôt bien d'ailleurs. Oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites peur. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais, jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. George avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle, et un système pour se débarrasser de la terre. Mais allait-il avoir assez de temps? Votre attention, s'il vous plaît! Montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express! Cachez là votre trou! Ah!
cette fois, je les tiens. Vous ne volerez plus de raisins, espèce de sage petit singe. Je vais te sortir de là. Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah, alors c'est vous qui allez partir par les rongeurs. Si je m'attendais à ça. Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin. Ah, voilà donc à quoi servait la pince. Il lui fallait absolument quelque chose pour tenir la planche pendant qu'il plantait les clous. Restait qu'un mur à dresser. Seulement, il n'avait plus de clous. Et puis, la seule planche qu'il lui restait était trop lourde à soulever. Heureusement, Madame Renkins lui avait dit de prendre tout le bois qu'il voulait. Monsieur Quint n'était pas là, mais George avait remarqué que c'était comme ça qu'il se procurait les clous. Après tout, sa cabane n'avait pas besoin de toit en bois. De toute façon, il n'avait plus de planche. Voilà! Alors, que pensez-vous de ça, alors? Tout est réparé! C'est aussi solide que ça! Oh. Tu aurais peut-être dû utiliser des clous. Oh, j'ai hâte de voir ce que tu as fait. Je peux ouvrir les yeux? Qu'est-ce que c'est? Une cabane? Je veux dire, oh la belle cabane! Tu t'es construit ta propre cabane sans l'aide de personne! Alors là, chapeau! Je dois dire que je suis très impressionné! Mais où as-tu trouvé les clous et le bois? George! Il manque une planche à mon poulailler! C'est toi qui l'as prise? George, c'est toi qui as pris les clous qui m'ont servi à réparer le ponton? Parce qu'en voulant marcher dessus, je suis tombé dans l'eau! Je suis persuadé que c'est un malentendu. Il va tout vous rendre. N'est-ce pas, George? George avait à peine terminé la construction de sa cabane. Il devait déjà la démonter. Oh. Attends une minute. Je t'ai bien dit que tu pouvais prendre tous les clous que tu voulais. Oh, c'est moi qui me suis sans doute mal exprimé. Quant à moi, je remettrai une autre planche à mon poulailler. Celle-ci est très bien où elle est. Désormais, comme il était chez lui, il pouvait établir son propre règlement. Règle numéro 1, obligation de peindre sur les murs. Et règle numéro 2, obligation de beurrer son épi de maïs avec les pieds. Oh, c'est difficile. Mais c'est la règle. Je sais. Alors j'obéis. George, j'ai besoin de mon xylophone. Betty, attends-moi. Il voulait tellement bien faire qu'il essaya toutes les combinaisons possibles.
Mais c'est quoi ce bruit? Mon xylophone! Georges! Il n'y avait rien à faire. Jamais il ne réussirait à remettre les lames dans le bon ordre. Tiens, il y avait un numéro sur celle-ci. Et sur celle-là aussi. Toutes les lames portaient un numéro. La première lame posée était la 8. Qu'est-ce qui conviendrait après 8? Le 6 était tout rond comme le 8. Elles allaient très bien ensemble. Oui, mais elles s'accordaient mal. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et s'il ne fallait pas commencer par le 8, mais par le 1, comment on calcule ? Georges savait compter jusqu'à 5 et la pendule allait l'aider à compter jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'ennui, c'est qu'il lui en restait 3. S'il vous plaît, placez-vous devant les gradins. Je voudrais faire une photo de groupe. Mais, tante Margaret, il faut que je retrouve Georges et mon xylophone. Ne t'en fais pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Où placer les 3 dernières lames? Georges ne savait pas compter jusqu'à 15. Chaque lame était plus courte que la suivante. Est-ce que... Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne lui restait plus qu'à vérifier si elles étaient dans le bon ordre. Souriez. Les notes montaient à nouveau un escalier. Ah, c'est mon xylophone! Sarah, alors, qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies réparé. Avant, cette lame avait tendance à se déboîter. Merci, Georges.